voir le responsable parce qu'il faut que je fasse quelques questions à poser. Il faut un bouc émissaire, quoi. Bah c'est moi le responsable, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, entre autres, mais il y en a d'autres. Pas trop, hein. Bah, c'est bien. Je ne sais pas trop la tête. Non, non, dans mon imaginaire. D'accord. À ce moment-là, je vais attendre que vous... Que je tourne la Oui, oui, c'est ça. Ouais. D'accord. C'est comme pour le vin, il faut le retourner aussi. Oui, 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 c'est pareil, on soutire. On soutire le vin. Ah d'accord. Voilà, on enlève un petit peu de ses lits et ses dépôts. Que sinon, Mais pas trop vite, pas trop vite. Hein. Bah, il faut qu'il soit léger quand même. Bah, surtout qu'on a habitué les gens à des vins transparents. Une hérésie d'ailleurs. Ah oui, oui. C'est une hérésie, il faut garder un peu de... Il y a des vins rouges qui sont très, très rouges. Ah oui, mais ça c'est la couleur du vin, mais je parle des sédiments dedans, des dépôts, des lits. Des... Ah oui, d'accord. On a habitué les gens à ne pas avoir de dépôts dans la bouteille. Grave erreur. Bah, au moins c'est naturel. Quoi. C'est... Enfin, passez à table. Ah bah c'est super. Donc c'est servi avec du vin ce midi aussi. Oui. Mais c'est... Ça pose un problème, c'est le mini-circus là. Oui, ben c'est, je comprends aussi. Enfin, quand on bosse, c'est pas évident non plus. Ah, mais moi, je dirais non. D'accord. Je dirais non. Je veux pas trop vous prendre de temps parce que je vois bien que vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois, mais est-ce que je pourrais. Non, j'arrive pas justement à faire plusieurs choses à la fois. D'accord. Je suis un garçon, du coup. Oui. Est-ce que tout à l'heure, je pourrais vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. À la limite, vous me dites les questions que vous voulez que je vous pose. Hein, parce que c'est un domaine que je connais pas trop. Donc, c'est vrai que si vous posez. Des premières questions, moi ça va m'orienter un petit peu vers celles que je vais pouvoir vous poser après. D'accord. Et on fait les autres poutres dans le studio. Le bordel ! Ouais ! Le bordel ! Et deux mains sur le vin, c'est dangereux. Le vin en Bretagne, on en boit, on l'aime, et puis on a de plus en plus d'adeptes des vins surtout nature. Alors, Vinicircus, c'est d'abord associatif, hein, donc association aux lois 1901, avec un bureau aujourd'hui de 7 personnes. Et puis autour, tout un tas de petites mains, puisque lors de l'événement, c'est pratiquement 80 bénévoles qui s'agitent pour être en cuisine, pour être à monter des stands, pour être à toutes sortes de choses, enfin, puisqu'il faut accueillir pratiquement 3000 à 3500 personnes dans le week-end, donc beaucoup de travail. Le Mazel, l'Ardèche, le sud de l'Ardèche. Les vins nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des vins qui sont un petit peu vinifiés d'une autre manière. Ils n'ont rien inventé, les vins nature. Ils sont surtout inspirés de ce qu'ont toujours fait nos ancêtres. Ils sont tous en bio ou biodynamie, pas forcément avec le label, parce qu'on a aussi des rebelles qui sont sortis des labels. Alors c'est un peu plus compliqué à expliquer tout ça, mais ce serait trop long. Mais c'est surtout aussi une manière de vinifier. Ça va plus loin que sur la vigne, ça va aussi dans ce qui se passe dans la cave, dans l'assemblage, dans le pressage, dans le filtrage, etc., dans les rajouts ou pas de choses dans la bouteille. Donc les vins nature évitent au maximum de rajouter de conservateurs, c'est-à-dire pas ou très peu de soufre. Il arrive qu'on en mette un peu sur les blancs, entre autres, quand les années sont vraiment pouraves. Mais globalement, lorsqu'on voit des vins nature, on ne boit pas de soufre. Ça me fait plaisir de discuter avec vous parce que vous avez une position très importante. C'est vous qui vous occupez de tout ce qui est nourriture. Oui, mais pour moi, j'estime que ma position n'est pas importante parce que sans les bénévoles, on ne pourrait rien faire. Hein. De toute façon, Vinicircus existe grâce aux bénévoles, essentiellement. Oui, mais si vous n'étiez pas là, les bénévoles s'éparpilleraient un peu partout. Ah, ça, c'est possible. Hein, c'est quand même important que vous soyez là pour... Pour coordonner. Ils ne font pas que bosser. Non, il faut joindre l'utile à l'agréable. Ah, bah oui, là, ils ont, c'est toujours... Vous n'avez pas pris n'importe quel bénévole. Hein, c'est... Ah, ça, ils sont venus eux-mêmes. Oui, il n'y a aucun bénévole timide. Non. Et autrement, vous allez servir combien de repas? Alors, donc, ce soir, on va servir 200 repas. 200, oui. Demain midi, ça va être 220. Et demain soir, 650. 650 ? Oui. Et si on arrive au dernier moment, c'est possible quand même ou c'est... Ah non, là, c'est complet. Ah oui. Ouais. Pour moi, c'est mort. Oui.
C'est quoi un vinicircus réussi? Alors, un vinicircus réussi, c'est que tout se passe dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Que les personnes qui viennent, aussi bien les vignerons comme les exposants métiers de bouche, et puis les visiteurs et les bénévoles, que tout le monde soit heureux d'être là. Je crois que c'est ça qu'on aime offrir, c'est un moment de bonheur. Quoi. Éventuellement un pot de vin. Oui, d'accord, mais ça c'est à découvrir. Voilà. Ouais. Jacqueline, un vin nature, c'est quoi un vin nature? Chaque vin nature est totalement différent les uns des autres, et d'une année sur l'autre aussi, c'est différent. Parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, des choses naturelles, hein, suivant qui sont sorties du sol, ou alors du temps, du climat. Moi, c'est ça, c'est vraiment une surprise à chaque fois. Est-ce qu'une même bouteille, enfin deux bouteilles qui ont été récoltées la même année, si on la prend une année et l'autre l'année suivante, le goût sera différent? Ah, il aura évolué. Il aura évolué. Mmh. Comme quand on ouvre une bouteille de vin nature, ouais. Pour certaines, il faut la laisser s'aérer. Si on ne la laisse pas s'aérer, on perd toute la qualité du vin. Et d'autres qu'il faut boire sur le bouchon, comme on dit. D'accord. Très rapidement. Voilà. C'est un peu comme les ados, c'est complètement imprévisible. Oui, voilà, tout à fait. La comparaison est très bonne. Moi, je serais bien bénévole, mais en cuisine. Vous aimez ces gâteaux? Parce que là, j'ai demandé à pouvoir être bénévole pour l'année prochaine, mais comme, bien sûr, les recrutements sont de plus en plus draconiens parce qu'il y a des missions de sécurité. Ouais. Donc on m'a demandé d'essayer un peu. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire. Non, trouve un verre et ça c'est la base. Et on se lave les mains. On se lave les mains, on trinque avec les bénévoles arrivés déjà. C'est vendable, ça. Ça, c'est vendable. D'accord. C'est marchand. C'est marchand. Ouais. Comme c'est mon premier, je peux le... Oui. Oh, c'est gentil. Merci, j'ai... Oui. Toi, tu m'aimes bien. Maintenant, je t'aime bien. Oh, c'est gentil. Bon, on va trinquer. Parce que l'année prochaine, je pense, bah, s'ils me prennent, parce que là, j'ai passé le test, je suis bénévole. Bonjour. À cause de la Covid, donc voilà, on est revenu faire nos réserves, on va dire entre guillemets, racheter un peu les bouteilles, voilà. Les vins naturels, pour moi, c'est bon et puis c'est propre, voilà, je pourrais dire ça comme ça. Puis c'est un état d'esprit qui est assez chouette aussi. On peut très facilement rencontrer les vignerons, on peut se tutoyer, on peut faire la fête ensemble le soir. C'est des super rencontres et c'est toujours très facile, très, très abordable. Avec moi, vinicircus, vinicircus, vini. Je crois que tu es la cheville, enfin le maître d'œuvre de toute l'organisation ici, et qu'en général avec toi, il ne faut pas que ça traîne de trop. Donc j'essaie d'être bref. Enfin, c'est combien de temps de préparation? Enfin, c'est quoi vinicircus au niveau du nombre de bénévoles, du nombre de producteurs, ouais. Voilà, tout. Cette année, on est 61 vignerons. Là, jusqu'à hier, on était 61. À l'heure où je sais pas, on est 60, puisque j'ai un vigneron italien qui m'a appelé à 12h15 pour me dire, j'ai le Covid, je peux pas venir. Voilà. Donc, cette année, on est 60 vignerons finalement. Voilà. Et habituellement, on est 75 depuis 3-4 ans. On est très sollicités, c'est-à-dire que
pour qu'on a 60, on va prendre 75 vignerons, on a 110-120 demandes. Donc les vignerons qui veulent venir, ils nous contactent par mail, ils nous appellent, etc. C'est les copains de copains, c'est les copains de vignerons. Donc nous, on a une règle qui est commune à tous, c'est-à-dire que vous envoyez des bouteilles, puisque nous, on est une association que de bénévoles, donc on ne peut pas se déplacer dans les vignes, alors de temps en temps, pendant les vacances, avec nos familles, etc., on va dans les vignes, mais en tout cas, on est une association de bénévoles, et au mois de février ou au mois de janvier, on n'est pas en vacances. Donc on leur dit, vous envoyez des bouteilles, et puis on déguste en réunion de bureau, on va déguster sérieusement, on va essayer d'être le plus objectif possible, on ne vous promet pas de vous prendre, mais si on a un coup de cœur sur le vin, on vous prendra. Voilà. Alors, et donc en fait, ça se passe comme ça. Il y a combien de bénévoles pour une opération comme celle-là? Alors, en bénévoles, sur le week-end, il y a 60 bénévoles environ, 60-70. On commence à travailler vraiment sur le site avec des bénévoles à partir du mercredi jusqu'au lundi soir. Et puis même le week-end d'avant, le lundi, puisqu'on met un parquet dans la salle, etc. Donc il y a une petite équipe le lundi soir. Là, le mardi, c'est off pour nous. Et puis les bénévoles arrivent, les premiers bénévoles arrivent le mercredi jusqu'au lundi soir. Je viens du Ventoux, au pied du Ventoux, dans le Vaucluse. Alors, petit domaine de 5 hectares aujourd'hui, essentiellement du rouge, grenache Syrah et un petit hectare de blanc, grenache Roussanne, le tout pour 10-12 000 bouteilles de rouge, 3-4 000 de blanc. Toute l'année, on est un peu tout seul dans nos vignes, et pour beaucoup, je pense, on vient aussi pour se croiser, plus que pour vendre. Ça ne veut rien dire le monde des vins. Il y a des mondes des vins. Et pour ce qui se passe là à côté, il y a autant de vins que de gens. Et ça raconte une histoire, ça exprime quelque chose. On est tous un peu dans la même idée, dans la même philosophie. Déjà, préserver ce qui nous entoure, la planète, se préserver, préserver les gens qui boivent le vin et le partager et faire du vrai et de l'expressif. La première fois qu'on est venu, enfin moi c'est le souvenir que j'en ai, je suis venu avec mon épouse, et c'est vrai que c'était le côté atypique en fait de retrouver des vignerons dans un environnement original sous un chapiteau, et puis de voir que en fait derrière le vigneron on avait des gens qui étaient amoureux de leur vigne avec des process un peu différents de ce qu'on peut rencontrer dans d'autres salons en fait, des salons plus traditionnels. Nous on est rennais, en fait on va sur les salons des vignerons indépendants, et souvent on voit des vignerons dans un format plus classique. En fait, là, on a vu des choses un peu plus naturelles, comme le nom l'indique, mais même dans la façon d'aborder le vin et la démarche. C'est la fameuse chaîne de vie là, hop, on se met tous comme ça. Bon, c'est pas une danse. Hein. Encore, on n'a pas compris, Ça va durer 20 minutes, une demi-heure à peu près, c'est le temps qu'on met à la chaîne pour servir les entrées. Vignerons et représentants de tous les vignerons.
Alors, un vini-circus réussi, c'est un vini-circus où les gens sont contents d'être là, déjà. C'est un vini-circus où les vignerons vendent leur vin, voilà. Où les visiteurs peuvent avoir accès aux vignerons, découvrir plein de choses et puis pouvoir discuter avec les gens tranquillement. C'est des spectacles réussis avec un public en liesse le samedi soir au concert. Tout le monde est content, tout le monde rentre chez soi en sécurité ou dort ici et tout va bien en fait.